Papa Olingo-san, Olingo-san, hein? Que tu veux donc céder le trône, la couronne à une autre famille, quand tu as un fils comme moi, qui peut te succéder? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cela a toujours été notre tradition. Et je ne vais pas faire l'exception. Pour éviter la colère des dieux. De quoi es-tu en train de parler? La colère des dieux, je m'en moque. Je m'en moque. Je ne suis pas ici pour apprendre la tradition et la culture, papa. Non, je refuse. Mais je suis venu t'informer. Que tu le veilles ou non, peu importe les coups, je serai roi. Je m'asseyerai ici. Quel genre de stupide culture et tradition? Et ça, Tinaté, je vais te succéder au trône. Quel genre de tradition comme ça? Écoute, je dois être roi. Je dois m'asseoir sur le trône. Quel genre de stupide tradition? Ça veut dire quoi? Je dois être roi. Ezugo. Maman, je veux pas partir. Pourquoi? Mais mon papa sera fâché contre nous. Obina, écoute-moi. Ton père ne sait plus même pas du fait qu'on va quitter ici, tu sais. Ok? Nous sommes riches maintenant. J'ai 4 millions de naira pour prendre soin de nous. 4 millions de naira, c'est beaucoup d'argent. Où est-ce que tu as pu avoir tout cet argent? Je l'ai eu d'un homme qui sait bien prendre soin d'une femme plus que ton père. Il a envoyé ta demi-sœur aller étudier à l'étranger et oubliant que tu es son fils. Mais maintenant, j'ai l'argent. Alors je vais prendre soin de toi comme il faut. Tu ne veux pas aller étudier à l'étranger? Oui, c'est ce que je veux, maman. Hey, ça, c'est mon fils. Allez, lève-toi, lève-toi. Apprête-toi vite, on va partir. Je pense que tu as tout mis dans mon sac, hein? Bonjour, ma princesse. Mais où est mon chauffeur personnel et ma voiture royale? Pardon, je comprends pas, ma princesse. Oh non, êtes-vous toujours aussi bête? Pourquoi votre QI est aussi bas au point de ne... Avez-vous un problème avec le français?
Non, ma princesse. Ma princesse, le problème est que le chauffeur personnel de la princesse vient à peine de quitter. Bon, je vais essayer de vous expliquer quelques... Je vais expliquer à partir d'ici. Il faut que je vous explique certaines choses parce que je sais que vous êtes ici de... pauvre... écrasseux village du voisinage. Quand le matin, une princesse se réveille et qu'elle voit de supposées servantes, elle doit s'attendre à avoir une... voiture royale, un chauffeur personnel, et mieux encore, un convoi entier. Et si elle ne voit rien de tout ça, elle doit retourner au lit, dans l'espoir que quand elle se réveillera, tout sera en place. Ma princesse, maintenant, hors de ma vie avec vos corps qui sentent mauvais. Oh non, 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 revenez. Vous... Quand vous allez retourner, brossez-vous les dents. Et allez prendre une douche parce que vous polluez chaque millimètre carré de cet espace. Allez, sortez. Oh non, revenez, revenez ici. Et c'est quoi le mot magique que je dois entendre? Merci, ma princesse. Allez, du vent. Pitié. Je suis en train de les regarder. Est-ce que je pouvais s'imaginer ça? À 90 ans? Non, je n'en crois pas. C'est vraiment fou. André? Agoba, majesté. C'est quoi le problème? Quelque chose hors du commun. Dis-moi, quelqu'un est mort? Pas encore. Ok, alors c'est quoi le problème? Les servantes se plaignent. Elles disent que la fiancée du prince recommande une escorte avec le garde royal pour venir ici au palais. Elle veut aussi une voiture royale avec l'immatriculation royale. Quoi? Oui, ça va. Ce n'est pas grave. Alors, Aruba, arrange la voiture. Ok. Prends 3 servantes et tu peux alors les accompagner. C'est pas grave. Ah, ok. C'est bon. Tu peux être avec elle. Elle va t'appeler si elle a besoin de toi. On le fera, ok? Alors, je pense que tu seras là quand elle aura besoin de toi. D'accord? Papa! Comment est-ce possible que vous appuyez ça? Chérie, il s'agit bel et bien de la fiancée de ton frère. Je ferai tout pour elle, comme s'il n'était pas là. Ah. Alors dis-moi, veux-tu un conducteur et des gardes? Ça va, j'ai toujours été accompagnée depuis ma naissance et ça va, je peux aller seule. Oui. D'accord papa, s'il te plaît. Oh bien oui. Votre Majesté, comment peux-tu permettre ce genre de choses? Hein? Ma femme, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ok? Franchement, c'est sucré, hein? Ça me fait du bien. La 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 la. Bien. Et dis-moi comment. Tu vois, toi, hein? Franchement, ce que tu me fais là. Aïe! Oh, Obina,
Ce n'est pas ce que tu penses. Donc toi aussi tu as rejoint le club des gens qui sortent avec ma maman. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu t'es permis de venir ici et de coucher avec elle là où je dors. Dis-lui non, je couche avec toi. T'as pas couché avec elle? Ah non, je n'ai pas couché avec elle. Vous tous qui êtes en train de coucher avec ma mère dans ma chambre. Non, je n'ai pas couché avec elle, je ne l'ai pas fait. Dis-lui non, il risque de me taper. Donc tu l'as maté, c'est ça? Ah non, je ne l'ai pas maté. Tu ne l'as pas fait, mais tu as couché avec elle. Je n'ai pas couché avec elle. Aïe, aïe, aïe. Et toi? Maman, ça signifie quoi tout ça? Ça veut dire quoi cette bêtise? Mais tu es fou? Hein? Qu'est-ce qui ne te va pas? Hein? Comment tu peux entrer ici juste chasser mon client sans pour autant qu'il me donne mon argent? Sûrement, tu as réussi avec les clients de la nuit dernière. Pour le 20 000 naira, j'en ai besoin. J'ai besoin de mon argent. Regarde, je ne suis pas en bonne humeur. Il ne me permet pas de déchaîner ma colère sur toi. Regardez-moi cette honte de garçon d'un père irresponsable. Elle peut être reconnaissant envers moi, comme j'ai pris soin de toi depuis ta naissance. Tu as fait de n'importe quoi? Hein? Prendre soin? Hein? Maman, laisse-moi te dire. Maman, tu as essayé de me vendre ton unique fils pour la drogue. C'est ça prendre soin pour toi, maman? Hein, maman? Le 4 millions de naira qu'on t'avait donné pour prendre soin de moi. Cet argent, tu n'en parles même pas. Je n'entends même plus parler de ça encore. Maman, écoute, j'ai entendu parler de cet argent. Je n'en ai même pas mangé un centime. Aucun bénéfice de ces 4 millions de naira. Faut rien de femme. Oula, s'il te plaît, mon aile là. Une chose de plus, je veux t'aider à mourir avec cette maladie. Très belle et adorable, la lumière la plus brillante, Igenitus Zaramanto, la reine la plus jolie de ces royaumes, c'est ce que tu deviendras, ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma chère. Alors, avez-vous satisfait à ma requête? Oui, ma princesse. Lui, c'est Agouba, votre chauffeur personnel. Bonjour, ma future princesse. C'était quoi ça? Es-tu stupide? Rectifie, jeune garçon. Désolé, ma princesse. Bien. C'est beaucoup mieux. Vous ne vous attendez pas à ce que je marche sur un simple sol. Que je dorme et que vous marchez sur mon dos? Ce n'est pas ce que je veux dire, espèce d'effrontée. Mais où sont donc mes fleurs royales avec lesquelles vous devez couvrir le sol pour que je marche dessus? S'il vous plaît, les fleurs? Oui, des fleurs idiotes. S'il vous plaît, ma princesse, vous n'avez jamais demandé ça. S'il vous plaît, maintenant vous le savez. La prochaine fois que vous vous ramenez sans mes fleurs royales, vous allez détester ce que je vais vous faire. Papa. Ma princesse. Permettez-moi d'aller visiter mon mari le prince. Ok, ma fille. Prends soin de toi, hein. À oui. Très bientôt. Vas-y, marche comme une reine que tu es. Merci. La plus jolie de toutes. Ça, c'est ma fille. Dois-je appuyer sur le bouton démarrer de vos cerveaux? Allez, soulevez ça.
Zaramanito ni Zaramanto. Papa, à très bientôt. Bouge ça, ma fille. Tu en as. Ouais, ça sent le marque d'une reine. Madame, vous allez bien? Oh mon Dieu! Oui, mon fils! Voilà comment j'avais tué une innocente femme comme ça. Est-ce que ma fille va bien? Oui, ça va, ça ira. Ça va, madame? Est-ce que ça va? Oh, merci. Comment que tu sois stupide de demander à celle-là si elle va bien? Papa, tu vas nous tuer de choc! Ma fille, je ne suis qu'une pauvre! S'il te plaît! Juste 2 ans, mais maintenant tu es comme quelqu'un qui était allé en Europe et qui est revenu. Ha! Tu ressembles à un playboy. Ha! Content que tu me vois avec mes yeux. Mais je te vois avec mes deux yeux, tous mes deux yeux sont ouverts, je suis en train de voir comme ça. Tu vois? Ha! Regarde-toi, regarde, si ce n'était pas ma mère, hein, que j'ai, je serais déjà parti avec toi depuis longtemps en ville. Tu vois cette femme, elle ne permettra pas que quelque chose de bien vienne sur mon chemin. Je te dis, et tu vois cette fois, tu ne vas pas quitter ce village sans moi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Même s'il faudrait devenir docker, je m'en fiche. Même s'il faut mourir, je le ferai. Bien. Maintenant, tu parles comme le grand Obina que j'ai toujours connu. Dieu, je t'ai dit, je suis maintenant fort. J'ai commencé à faire des choses dures, des choses très dures. Plus que ce que tu sais que je faisais. Des grandes choses maintenant. Obi. Hein? Mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est bien, j'apprécie. Ça t'étonne, Joshua. Mec, je te rassure, Joshua, ça va aller. Je commence à partir au club. Joshua, allons à l'intérieur, que je te donne les peu que j'ai. Je t'ai un petit truc, tu vas te débrouiller. Okay. Ouais, c'est moi, mec. Non, Obina. Tu vas mettre tes pieds dans ce royaume. Je t'avertis pour ton bien. Non, maman. Tu ne m'avertis pas pour mon propre bien. Tu m'avertis à cause de tes intérêts égoïstes. Oui. Regarde, maman. C'est à toi qu'on avait donné les 4 millions de naira. Tu l'as mangé seul. Je ne l'ai pas partagé avec toi. Maintenant, c'est mon tour. J'irai là-bas prendre ma part d'argent. Obina. N'oublie pas que je t'ai gardé dans mon sein pendant 9 mois. Tu vas t'haïr toi-même si tu t'opposes à moi. Attends voir. Attends voir. Hein?
Maman, attends voir. 9 mois. N'étais-je pas gardé pendant 9 mois? J'étais aussi gardé pendant 9 mois. Ok, c'est bon. Regarde ce qu'on va faire. Tu chantes pour moi et je danse pour toi. Très bien. Tu es bénie, ma fille. Oui, papa. Tu es bénie. En tout cas, il est très bon. Papa? Ah, le voilà. Elvis, bienvenue parmi nous. Merci. Merci. Comment tu vas? Hey, c'est ma femme. Chez papa. Tu es vraiment ravi. Salut. Regarde-toi, bébé. Belle comme d'habitude. Je sais. Tu vois, elle a été dans de bonnes mains. Pour autant, mon amour. Merci, bébé. Alors, dis-moi, comment la ville est en train de te traiter? Tout se passe bien, à part le fait que tu m'aies manqué. Vraiment. Tu sais quoi, bébé? Tu m'as beaucoup plus manqué. S'il vous plaît, allez dans la chambre. Chez maman, tu sais quoi? Alors, tu sais... Ces gens sont vraiment jaloux de notre amour. Après toi, chérie. Ils sont très bons ensemble. Oh oui. Ça me rappelle quand ils étaient jeunes, comment nous nous comportions. Excuse-moi, arrête. Oh. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de spécial? Hein? Est-elle meilleure que nous toutes ici? S'il vous plaît, je ne veux plus d'elle. Je veux dire à la reine de me changer. Quand on se souvient qu'elle n'était pas aussi pauvre, elle est toujours aussi méchante jusqu'à frapper une femme aveugle et son enfant. C'est inconcevable. Je n'ai jamais entendu d'aussi terrible que ce que j'entends ici. Si cette vie doit être comme ça dans quelques jours, seul Dieu connaît comment elle deviendra dans un mois. Oh. Vous savez quoi? J'ai pitié de vous toutes ici. Pitié pour toi-même. Parce que c'est toi qui es ici en permanence. Quelle situation? Désolée, ma princesse.
on discutait à propos du gouvernement nigérien. Alors, Zahra est devenue la présidente de ce pays. J'ai entendu des choses la concernant. Et en fait, que vous, les filles, vous étiez avec elle durant ces 3 jours. Parlez! En fait, ma princesse... Pas du tout, ma princesse. Agnès. Désolée, ma princesse. Ma princesse, on n'est pas à l'aise avec la nouvelle princesse. La future princesse. Désolée, ma princesse. Ça, c'est un point vraiment essentiel que tu as soulevé. Je vous promets que bientôt cette personne va rentrer d'où elle vient. Merci. Merci, ma princesse. En tout cas, je suis très contente. Ça ne me fait pas droit au cœur, en fait. Non. Ouais. Mais pourquoi tu me pousses à agir comme un monstre? Je te supplie. Tu peux aller n'importe où que tu voudras pour chercher du travail et savoir survivre. Mais sûrement pas dans le royaume des Agaba. Maman, je suis fatigué d'entendre tes étranges histoires. Ces étranges histoires qui sortent de ta bouche. Je suis fatigué de les écouter. Sache-le, j'irai au royaume d'Agaba. Je gagnerai l'argent et je reviendrai pour les dépenser avec toi. C'est ce que tu as toujours fait. Mais cette fois-ci, Agaba, me voici. Maman, je te souhaite bonne chance. Obina. Ok. Allô? Oui. J'ai essayé de l'arrêter, mais il ne voulait pas m'écouter. Ok, bien. Je t'ai appelé juste pour te dire que je me suis déchargée de lui. Tu peux te débarrasser de lui si tu veux. Ah. Te débarrasser de qui? Non. Tu es qui? Tu es qui? C'est toi qui vas mourir la première. C'est toi que je tue. Donc tu voulais me tuer. C'est ça. Obina, tu vas me tuer. Meurs, je te ferai en enfer. Je te ferai en enfer. Je t'avais dit qu'un jour tu ne me donnerais pas le choix. Je t'avais dit, c'est aujourd'hui. Et ce jour est finalement arrivé. C'est finalement arrivé. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Ça fait vraiment longtemps, non? Tu m'as tellement manqué. Mais toi aussi, tu m'as manqué. Maintenant, dis-moi. Est-ce que c'était long? 1, 3, 4, 5 années? Pour être précise, on va sur 4 ans, 2 mois, 1 semaine et 2 jours. Oh non, c'est romantique. Tu t'en souviens?
Oh, tu sais, je ne peux être romantique que pour mon homme, et c'est toi. Ah, regarde-toi. Viens là, embrasse-moi. Tu sais quoi, chérie? Quand je te regarde maintenant, j'ai encore de souvenirs frais des jours de notre engagement. Ah, ouais. Et je regarde aussi ton doigt et je n'arrive pas à voir mon anneau à l'intérieur. Ah, 4 ans? 4 ans veut dire des calories en plus. Cette bague ne rentre plus sur mon doigt. J'ai vraiment eu le temps d'être observée, ce n'est pas comme si j'avais pris du poids. Où est mon anneau? Que dire de plus? Chérie, tu restes à l'étranger beaucoup trop longtemps et tu t'es habitué à ces filles minces. Tu t'apprécies en faisant une projection. Vraiment, sincèrement, désolé. Bien sûr que tu ne peux lui dire la vérité. À chaque fois que tu mets tes pieds dans cette parcelle, je sais comment égoïste, menteuse, méchante que tu peux être. De quelle absurdité es-tu en train de parler? Tasha, s'il te plaît, un peu de respect, ok? C'est ma femme en devenir et tu n'as aucun droit de lui parler comme tu veux. Bien, et elle a maintenant le droit de frapper une vieille veuve aveugle. Oui, avec sa béquille. Tu es sans cœur. Quoi? Écoute bien, Zara. Ces privilèges royaux qui veulent te rendre imbu, c'est une tradition avec laquelle j'ai grandi. Je le maîtrise bien. Plus que toi. Waouh! Waouh! Mm-hmm. Oh. Devinez qui est jalouse? Zara. S'il te plaît, dis-moi la vérité. As-tu essayé de frapper une vieille femme aveugle? Chérie, c'était juste un tout petit peu. Quand est-ce que tu diras la vérité, même une fois dans ta vie? Juste un peu? Hein? Tu dis juste un peu, comment as-tu pu? C'est de la méchanceté, c'est outrageux. Comment as-tu pu faire une telle chose? Ne me touche pas! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand je te disais combien elle est arrogante, tu essayais toujours de me compliquer. Et comme maintenant, elle a eu le privilège d'être avec toi, elle ne fait qu'exprimer sa stupidité égocentrique. Je ne vais pas rester ici à regarder la personne la plus malveillante que je connaisse me juger. Excusez-moi. Elvis, tu l'as entendu? Écoute, je sais que tu n'es qu'un chirurgien et non pas un psychiatre, mais n'y a-t-il pas une voix dans ta tête qui te dit que cette fille est une troubadour? Oh oui. Elle est une merde. Mais c'est une belle fille, regarde-la. Tu sais quoi? Appelle-moi quand tu vas reprendre du sens. Parce que je peux voir qui t'en a pu. Oh Karambo, à quel honneur me vaut cette visite? Une visite très surprenante. À quel honneur, dis-moi. Igwe Ozugo, que tu vives longtemps. Il y avait un moment où tu m'as glorifié comme un dieu. Tu as célébré ma gloire. Je célèbre la tienne aujourd'hui. Tu as l'autre fois visité mon sanctuaire lorsque tu souffrais. Aujourd'hui, c'est moi qui te visite. Il n'y a plus de respect. Oh, Karambo, c'est aussi simple que ABC. Quoi qu'il en soit, un Dibia ne doit pas perdre ce qui fait de lui un grand Dibia. Non. Ezugo, non. Je n'ai aucunement perdu ce qui fait de moi le grand Dibia de ce royaume. Mais tout ce qui s'était passé était de ta faute. Je n'ai pas dit que tu as perdu ce qui faisait de toi le grand Dibia.
Ce que je te demande, c'est une sorte de respect. Un respect en tant que tel. Et Zugo, tu dois savoir que l'une des raisons pour laquelle les gens de ce royaume me respectent comme les grands Dibia, c'est pour ma capacité de voir le présent et le futur. Maintenant, ton fils est de retour et les jours passent. Où dirais-je, Onohu est en train de compter. Okanama, je ne comprends pas. Tu es venu dans mon palais pour bluffer. Ou c'est pour me donner un message. Appelle ça tout ce que tu veux, mais ça compte. Agazé, ça compte. Ona? Agazé, ça compte. Qu'est-ce que Okaramo veut de moi? Oh, veux-tu que je puisse me prosterner devant lui? Ou a-t-il donc oublié que je suis le roi? Oh non! Tu es très belle, ma déesse. Tu es paradisiaque comme d'habitude. Je sais, chérie. Quoi? L'amour du ciel, où sont donc les pétales de fleurs que j'avais demandé? Zara. Et vous restez encore debout? Est-ce que tu viens de... J'ai fait mes servantes juste devant moi? Eh bien, s'il n'y a personne dans ce palais qui puisse enseigner à ces choses les bonnes manières, alors je le ferai volontiers. Les manières? Le manioc parce que tu voulais que qu'elle vienne avec des fleurs et le jette pour que toi, tu marches dessus. Vas-tu aussi demander que quelqu'un vienne avaler ta nourriture à ta place pendant que toi tu as faim? Et je te propose, il y a Agouba ici. Il peut te prêter sa bouche quand tu en auras besoin. Sera-ce de manière pour toi? Merci mon prince. Toi, tu es stupide. Mais Vis, où donc as-tu ramassé tout ce beau monde? Et ne me blâme pas si ta mère n'est pas assez cultivée pour enseigner à ces gens le protocole pour traiter une reine. Moi, je ne suis pas à son niveau. Est-ce que tu viens d'insinuer que ma mère... La reine du royaume d'Agaba est une paresseuse femme? Oh là, est-ce que je suis la seule à penser comme ça? Tout le monde, écoutez-moi très bien. Cette mascarade a officiellement pris fin. Agouba, sors-moi de cet endroit. Levez-vous! Levez-vous! Thank you.
Mais arrête. Je devais la tuer. Je devais effacer cette vieille femme. Peux-tu imaginer? Elle était en train de dire pratiquement à une personne de me tuer. Mais je l'ai entendu. Alors je devais rentrer là-bas, lui rendre ses comptes une fois pour toutes. Je l'ai fait et je n'ai pas perdu de temps. Je te l'ai dit. Waouh. Tu sais, ceci peut être étrange et cruel, mais Don Ordon va t'apprécier. Oui, tu sais, tu es vraiment le genre de personne que nous voulons dans ce business. C'est encore qui ça, hein? Tu sais, je dois passer un ou deux coups de fil. Mais de toute façon, j'ai rendez-vous avec une très jolie femme. Alors, je te dépose là et je viendrai te récupérer après. Du choix, je suis prêt. Tu sais, je... Fais tu mon sais, confiance, je... mec. Josh. Oh, mec, ouais, mec, tu es canon. Mec, en tout cas, je t'attends. Ne traîne pas. Non, c'est moi qui dois te remercier. Je me suis bien amusé. Et pour la clôture, tu m'as amené au palais. Le plaisir est pour moi. Tu avais complètement oublié ça à l'hôtel. Oh mon Dieu! Je ne l'ai même pas remarqué. Ah, tu sais, ça coûte cher. Je sais combien ça coûte. La plupart des filles auraient vendu cette montre. Tu as bon cœur. Aurais-je encore cette chance? Peut-être. Ah, peut-être? Je ne veux plus dire un mot là-dessus. J'ai passé des bons moments. Bien, à plus tard, ma petite. C'est quoi le numéro de l'avenue? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ça, je ne peux pas l'accepter. Mais... Jamais. Jerry, je suis désolée. Tu es désolée. Combien de fois je vais m'excuser? Je suis désolée. Tu es désolée? Pourquoi tu... Quand même, tu sais, je me suis excusée depuis longtemps. Je reconnais que j'ai eu tort. Tu sais que j'ai un problème avec ton père. Vas-tu arrêter ça? D'accord? Tu viens avec des excuses. Tu es une grande fille. Qu'est-ce qui t'a fait pris? Tu peux avoir l'air très belle et très jolie, mais si tu as une petite opportunité, tu deviens tellement méchante envers les gens. Mais ferme ta bouche, je parle! D'accord? Une bonne personne en permanence n'est pas cette personne qui peut facilement changer d'humeur quand tu en as la petite opportunité. Faudrait-il que je m'excuse toute la journée et qu'on discute pour que tu veuilles bien me pardonner, c'est ça? Hein? Combien tu es typique? Dis-moi, Zara, quand pourrais-tu même pour une fois assumer la responsabilité de tes actions au lieu de tourner tout autour du pot? Quand? Ok. Je suis désolée, Prince Elvis Esgo, pour avoir insinué que ta mère... Ça ne s'arrête pas là. Tu dois me promettre que tu vas commencer à traiter ces servantes comme des êtres humains. D'accord?
Je promets d'essayer de ne pas l'oublier. Est-ce que c'est réglé? Ne le répète plus. Est-ce que tu peux arrêter ça? J'aurais depuis le temps que je m'excuse. C'est que je t'aime, non? Zara, peux-tu arrêter ça? Nous sommes dans une chambre. Ne m'étonne pas. L'argent. Josh, regarde mon argent. Du cash. L'argent. 4 millions de naira. Gars, 4 millions de naira. Le montant exact qui a été donné à ma méchante de mère, à cette désespérée de mère, pour que nous quittions cette terre. Une terre où coule le lait et le miel. Regarde, juste mon premier coup. Mon premier coup, j'ai eu ces montants d'argent. Ouais, je suis content puisque tu as témoigné de tes propres yeux. Alors, que vas-tu faire avec ta part? Dieu, c'est une très bonne question. Josh, tu vois ta voiture? C'est la même voiture que je vais m'acheter. Je vais acheter la même voiture, la même couleur, toutes choses. Même l'intérieur, tout sera le même. Et le reste de l'argent, hein, j'irai à la boutique. Je vais changer ma garde-robe. Je vais acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles vestes, m'habiller comme toi. Alors, les filles vont commencer à me suivre. Les filles vont me courir après. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Hein, tu n'es pas comme moi, tu as toutes choses, tout ce dont tu as besoin, tu en as. Bien, je vais en fait gâter la princesse. Tu veux dire la princesse de cette terre? Bien sûr. Tu sais, mon père est l'ami des libres de cette terre. C'est comme ça qu'il a été capable d'envoyer ma sœur à l'étranger. Alors, ça veut dire que ton père est vraiment résident dans cette communauté? Qui est ton père? Quel est ton nom? Peut-être que je le connais. Onowu Agazé. Ne sois pas ridicule. En fait, tout le monde dans cette communauté sait que Onowu Agazé n'a qu'une seule fille. Hein, c'est ce qu'il pense. Mais la vérité est que mon père a rencontré ma mère dans un hôtel, là où elle faisait sa prostitution. Pute. Ma mère, une pute. Pas n'importe laquelle. Mais il nous était revenu. Il était revenu. Mais il refusait de nous présenter aux gens. Je parie qu'il avait honte de nous. Et c'était pour ça que ma mère, elle avait eu l'argent auprès de quelqu'un. Je ne sais même pas la personne auprès de qui elle avait pris cet argent. Pour que nous quittâmes la terre. Écoute, Obina, s'il s'avère que cette histoire est vraie, donc tu es le vrai héritier du trône. Je suis sérieux. Aïe, Joshua. Josh, je pense que tu ne m'as pas bien saisi. J'ai dit que je suis le fils de Onowu et pas le fils de Igwe. Écoute-moi, Obina. Aussitôt que je t'aurai dit ce que je veux te dire, tu sauras ta vraie identité et qui aurait payé ta mère. Okara, je regrette le voir assis sur ce trône. Agazé. Tu n'as pas perdu complètement. Au moins, ta fille est toujours là. Ça va beaucoup durer, attendre jusqu'à son mariage. Mais s'il te plaît, je te demande,
Essaye de lire les signes du temps. Et dis-moi ce que tu vois à propos de l'avenir de ma fille et le prince. Oh non, Wagazé. Seul le temps peut bien te répondre. Laisse-moi te dire, à chaque fois que j'essaie de devancer les dieux, j'ai beaucoup de problèmes. Mais je vais te promettre une chose. Rien ne va arriver de manière inattendue, qui ne soit pas décidé par les dieux. Juste prie, prie, prie que les dieux te fassent faveur et les tiens. Cette fois. Ne dis pas que tu n'es pas toujours contente. Je n'ai jamais dit ça. Tasha, je te connais très bien. Tu es ma petite sœur. J'ai vécu avec toi toute ma vie. Ne sois pas comme ça. D'accord, il est évident que j'ai beaucoup de choses à t'expliquer concernant ma relation avec Zara. Le problème qui tourne autour d'elle. Tu me connais. Toi et moi, nous avons grandi ensemble et tu sais que ce n'est pas ma décision de continuer dans ces chemins. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que la tradition est au-dessus de toute chose dans ces royaumes. Tu me connais, Tasha. Je me compterai fou de la royauté, mais pas notre père. D'accord, il est tellement attaché à ça. Que voudrais-tu que je fasse? Et moi, comme le prince, je dois respecter les règles et c'est ce que je suis en train de faire. Tu sais, c'est très drôle quand une seule personne empêche les autres à être heureux. Ah. Franchement, c'est pas intéressant. Je partage exactement cet avis, je t'ai dit. Parce que je me demandais aussi, tu sais. Regarde autour de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce royaume qui penseraient que la royauté est un privilège? Je crois que nous allons penser autrement que ces gens. Sois assez gentil pour être apprécié. Oui et un. Je vais juste dire un. Peux-tu, s'il te plaît, être patiente avec cette femme, être patiente avec Zara. Elle va apprendre, elle va changer. Je te promets. Bien. Elle s'est déjà fait un cachet ou une image à la cité. Tout le monde est en train de parler comment elle a embarrassé un fils d'un gouverneur pour un problème lié au déjeuner. Non, détrompe-toi. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas des Zara que tu es en train de parler. Toi-même, tu sais comment elle se comporte pour se rabaisser à ce niveau. Ah, vraiment? Pourquoi tu n'appelles pas ton garde rapproché pour découvrir ou savoir comment elle est imbue d'elle-même? Es-tu sûr d'être prêt? C'était à moi de te poser cette question. J'admire ton courage. Mon très cher père, bonjour. Assieds-toi. C'est quoi cette nouvelle qui circule de toi avec un certain homme? Tu ne peux jamais te permettre de faire de telles choses en public. Papa, c'est juste des rumeurs. Lorsque j'apprends la vérité à propos de ma fille, je le sais. Sais-tu combien de fois ou combien de personnes m'ont appris cette chose? Tu veux me couvrir de honte? C'est juste parce qu'on a été présentés l'un à l'autre que les gens commencent à compter. Donc, tu t'es présenté à un jeune homme et il a commencé à t'insulter.
Tu veux que je te croie, Sarah? Non. J'ai demandé à Agouba de me ramener son numéro. Non! Agouba, le garde royal. Un ennemi. Es-tu stupide? Oh! Tu devrais savoir qu'avant d'envoyer une personne comme ça, tu dois d'abord l'acheter. Faire de cette personne ton confident. Aïe! Certainement le roi aurait appris ceci. Oh, pitié, papa. Le roi est le cadet de mes soucis. Pourquoi tu dis toujours ça? Parce que... si par malheur quelque chose arrivait, je ferais de tout mon mieux pour que notre lignage intègre la royauté à travers moi. Et c'est pourquoi... Oh, ça c'est ma fille qui parle! Idje Dola! Mais tu dois être très prudente. Je le savais. Mais papa, penses-tu qu'Elvis aurait entendu parler de ça? Papa, à part la crainte de perdre les trônes, y a-t-il une autre raison pour laquelle tu veux que j'épouse cette fille? Fils, si nous perdons ce trône, ça sera le pire des embarras dans ce monde. Et rien du tout ne peut le connaître. Et je ne veux surtout pas que ça se produise. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. On est au 21e siècle. Ces histoires de royauté sont caduques. Et je me demande pourquoi les gens peuvent aller jusqu'à se donner la mort juste pour avoir la royauté. Au même moment, peu importe comment un Africain se dit être moderne pour le fait qu'il a eu à voyager, il ne deviendra jamais comme un homme blanc. Non, certainement pas. Mon fils, tu dois épouser cette fille et garder la honte loin de cette famille. Papa, c'est une tâche très difficile, je dois te le dire. Cette fille ne m'inspire même pas une frange de positivité en moi. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je vais m'embarquer dans un tel voyage? Hein? Dis-moi, papa, ce n'est pas le genre de femme que tu veux pour ton fils. Elvis, tu ne veux tout de même pas que je t'apprenne comment t'y prendre avec ta femme, n'est-ce pas? Pour ton information, il me reste moins d'une année pour te faire porter cette couronne. Il faudra donc que tu puisses t'habituer à ça. Par ailleurs, c'est ça que tu es venu discuter avec moi? Franchement parlant, oui. Je pense avoir été assez clair. Tu peux t'en aller. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de... Voilà, voilà. Merci. Oba, Koutou Koutou. Merci. Mpoto, Mpoto. Merci. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Bienvenue, mon fils. Viens. Viens. Oui, viens. Bienvenue, mon fils. Bienvenue, le juste héritier du trône d'Agaba. Sa Majesté, tu es le bienvenu dans ton royaume. Bienvenue. Kara Kara. Merci. Obo Koutou Koutou. Djalo. Mpoto Mpoto. Djalo. Tous les dieux de la terre d'Agaba, je vous remercie de m'avoir permis de voir ces jours. Merci. Djalo Lou. Thank you.
village d'Agaba est en trouble. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un monstre. J'ai vu une créature féminine dans la forêt qui possède plus de pouvoir que Akaramoa. Arrête de dire cela. Tu sais qu'on peut nous envoyer en exil à cause de cette blague. Ce n'est pas une blague. J'ai tiré sur un chien sauvage et elle a arrêté ça avec son corps. Non, mais je ne comprends pas. La balle l'avait touchée et rien ne s'est passé. J'ai peur. Non, étais-tu allé à la boutique de vin, Désir? Nego, c'est quel genre de stupide question comme ça? Je ne sais pas. Mais personne ne va croire à ça. Je veux dire, personne. C'est ici. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai aimé, c'est un bon endroit. Bien. Oui, juste, je vais dire, j'aime cet endroit. La topographie du terrain. Alors je vais dire à l'entrepreneur de venir avec ses garçons pour commencer à défricher les terrains à partir de là jusqu'à ce coin. C'est bien. Ah. Sentir quoi? Je sens une certaine présence. Je sens qu'il y a une personne ici. Oui, il y a une autre personne qui est ici. C'est moi. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Tâche, arrête ça. Oh. Je ne suis pas capable de le prouver maintenant, mais je peux te dire qu'il y a quelqu'un d'autre ici. C'est ridicule, tu sais. Pardon. D'accord, après toi. Oh oui, oui exactement mon roi, oui. Vous voyez, en fait, je tiens à présenter mes félicitations à Onoa Gazé et au roi. merci beaucoup Onoa. Pas de retraite, pas d'abandon. La fête du fiançailles devrait être bientôt. Mon roi, sommes-nous sur la même page? Absolument affirmatif. Oh mon Dieu. Tu viens juste d'interrompre une réunion très importante avec les anciens. Hein? Écoute-moi très bien. Tu commences à constituer un ennui dans ces palais. Avec toutes ces visites indésirables. Hein? Okaramo, je ne veux surtout pas croire que tu te moques de moi et de mes anciens. N'est-ce pas? Le vautour ne peut pas être les ongles de ses pattes. Ça veut dire quoi?
le vautour ne peut pas être les ongles de ses pattes. Ouna, on va dire mon bouddha ou go go go. Aoula ma bouddha mon go go. Mounango dobio, mounango gongo. Qu'est-ce qu'il est insolent? Eh ambio, mounango gongo. Hein? Des gens qui viennent rendre visite aux gens sans invitation. C'est une visite très étrange. Puisque tous savons que Okedibia a toujours une raison pour tout ce qu'il fait. Veux-tu la fermer? Si tu ne sais pas de quoi tu parles, alors garde silence. Tais-toi. De quelle raison stupide parles-tu? Tiens-tu devant moi à me regarder comme un demeuré d'idiot? Rien du tout, ma princesse. Allez, va me démarrer cette voiture et j'espère qu'aujourd'hui tu vas pas tamponner une vieille affamée. Vite! Comment ça va, chérie? Bien, comment tu vas, bébé? Oh, je vais bien. C'est quoi cette odeur? Tu as fumé? Non, pas vraiment. N'ose pas me mentir. Est-ce que tu as fumé, Zara? Donc, autre que toutes les choses que tu fais, tu fumes? C'est quoi ça? L'autre jour, tu étais en train d'embarrasser quelqu'un, je suis obligé de demander son numéro pour dîner avec lui. Et maintenant ça? Assieds-toi quand je parle. Hey, Elvis, qu'est-ce qui ne va pas ici? Hein? Papa, cette fille fume. Ouais, je sais. Je sais qu'elle fume. Alors où est le problème? Tu le sais? Bien sûr que oui. Tiens donc, Elvis, cette fille que tu vois ici a étudié aux USA. Ok, tu y étais aussi. C'est sûr que tu connais ce qui se passe là-bas. Tu as peut-être déjà rencontré des femmes qui font plus que ça. Du chanvre, de la drogue, de la coque et tout ce que tu sais. Alors pourquoi tu... Écoute, Elvis, s'il y a quelque chose d'autre que ta femme fait, juste sois un homme, interdis-lui ouvertement. Ok, et arrête de transformer ma maison en un cinéma, car je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie pas. Je n'aime pas du bruit. Je t'en prie. Oh, vraiment. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ma conversation? Non, non, ma princesse. Princesse. Non, ma française. La prochaine fois que je suis en conversation, vous bouchez vos oreilles. Et puis d'ailleurs, reculez, reculez. Vous flinguez. Reculez-vous. C'est ouvert, Tasha. Tu peux entrer. Mmh.
Donc Tasha est la seule personne que tu attends, n'est-ce pas? Maman. Je suis très jalouse de ta relation avec ta jeune sœur. Ah, allez maman, ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Maman, tu sais que je t'aime. Hein? C'est juste que Tasha est une très merveilleuse, très merveilleuse, très merveilleuse personne. Elle est une sœur pas comme toutes les autres. Elle me rend heureux. Elle emmène avec elle beaucoup de paix. Quelquefois j'aurais souhaité que je vive la même chose dans ma relation, mais maman, tu sais. J'ai bien entendu tout ce qui t'est arrivé. Ce que je peux te dire est que tu sois calme. Hmm? Sois calme, ok? Et je sais qu'au moment opportun, tu vas épouser tel que tu aimes. Merci, maman. Tu as toujours le mot exact. Merci beaucoup. Mm. Merci d'avoir relevé mon esprit. De rien. Oui, maman, j'ai... Je suis allé à la terre des Hido. Tu te souviens encore... Père et moi devions avoir un accord sur ça. Pour l'utiliser pour construire une usine. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je sais. Quelque chose s'est passé quand j'étais là-bas. J'ai vu cette... Devrais-je l'appeler une femme maintenant? D'accord. Peut-être que c'était une femme ou c'était une autre chose. Je n'ai pas pu vraiment bien la voir avec ces laps de temps, mais... Il y avait une chose à propos d'elle, maman. Elle m'a vu paru comme si elle avait vécu dans cette forêt toute sa vie. Pourquoi la façon qu'elle m'avait regardé avant de s'enfuir m'a laissé penser que elle ne pas peut-être habituée avec nos êtres humains, devrais-je dire la civilisation. Maintenant, la question est celle de savoir si nous avons toujours ce genre de personnes dans cette terre que nous vivons. Vivons dans la forêt, dans notre communauté. En tout cas, là, je ne sais pas. Tout ce que je sais est que cette forêt est tellement dangereuse qu'on ne peut pas y aller. Il y a quelques années que cette forêt est devenue très dangereuse. Tu ne peux pas aller te promener là-bas toi-même. Allez, maman, tu as commencé encore. Tu t'inquiètes trop. Il n'y a aucune chose à craindre. Regarde, c'est juste que je suis intéressé par cette personne. Fils, tu n'as qu'à garder ton esprit sauf. Si tu as besoin de quelque chose, va la chercher ailleurs. Maman, tu es juste impossible. D'accord, d'accord, je t'ai entendu. Ok. Oh, ne sois pas comme ça, non. Hein? Oh. Ok. Chérie, je suis désolée. Chérie, pardonne-moi, c'est juste une sale habitude que je me suis ramassée au collège, mais je te promets que je vais arrêter. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on a parlé de ça? Tu m'as dit que t'allais essayer. Et maintenant, tu me dis que tu promets? Ouais. Hein? Dois-je compter sur ça? Oui, chérie, bien sûr que tu peux compter sur moi, voyons. Tu sais très bien que je t'aime, mais je ferai tout pour toi. Non, Sarah.
Tu as déjà compris que mon père est de ton côté. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, de toutes les façons, je pense que... on peut voir comment... t'accorder une chance. Oh. Merci beaucoup. Dois-je compter sur ta promesse, Zara? Oui, merci, chérie. Tu le promets? Oui. Tu es sûre? J'en suis sûre. Très bien, comme tu m'as pardonné. Est-ce que je peux t'emmener à l'étiver? Ah, Zara, toi, d'accord, ma beauté. Après toi. Merci. Tu sais, je vois que tout est sous ton contrôle. Il doit vraiment t'écouter à tout moment. Que t'attendais-tu venant de Zara? Allô, Aladji. Mon honorable Aladji. Désolé, nous sommes en retard. On va assurer pour le temps qui nous reste. Parfait, on se voit bientôt. Attends, j'aimerais te demander. Est-ce que Agouba va nous emmener à l'hôtel juste comme ça? Je veux dire, c'est trop simple. Tu sais, Zara a toujours un plan. Laisse-moi m'occuper d'Agouba. Laisse-moi me changer pour quelque chose de glamour. D'accord, ma chérie. C'est bon. S'il te plaît, dépêche-toi. Je t'attends ici. Okaramo, l'œil des dieux. Le crapaud ne court pas pendant la journée pour rien. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Et c'est qui ce jeune homme à tes côtés? Agazier, l'ono d'Agaba. Voilà la personne qui devrait diriger. Le juste héritier du trône d'Agaba. Agazier. Voilà Obina. Richmond. Agazier. Ton fils, le juste héritier du trône d'Agaba. Agouba, allez, approche-toi. Ceci, c'est pour toi, pour que tu fermes ta bouche concernant tout ce que je ferai en ta présence. Et c'est même pour ça que je suis sortie avec toi sans les servantes. Si tu réussis à fermer ta bouche, hein, pour un début, cette somme, c'est encore petit. Et j'aurai toujours à te payer en cash. Ou peut-être en nature. Est-ce qu'on a un marché? D'accord. Avec cette somme que vous m'avez donnée, je vous dois ma loyauté. De ce fait, à partir de maintenant, tout ce que je vois ou que j'entends concernant votre sujet, en fait, je ne sais rien de mal à votre sujet. Très bien pour toi. Mais si j'entends dire des choses sur moi à l'extérieur, sachant que tu étais le seul témoin, je n'aurai qu'à payer la moitié de cet argent pour te faire disparaître. Tu vois? Chantelle? Obina, mon fils, je suis content que tu sois de retour. Donc ta mère a fait tout cela pour te garder loin de moi. Oui, papa.
C'est ce qu'elle a fait. Hey! Les démons en elle peuvent corrompre les anges dans n'importe quel sein. Elle était une terrible femme. Très terrible. Oui, elle était. Papa. Toutes choses sont encore en place. Dieu merci, je suis là. Je suis rentré pour te rendre heureux en accédant au trône. En fait, ça aurait été mieux, mais j'aimerais que tu gardes dans ton esprit que celui qui part à la chasse risque souvent de perdre sa place. Ta sœur est déterminée, elle est très motivée et elle contrôle la situation. Que veux-tu dire, papa? Tu vois, le chat. Un chat ne peut pas attaquer les doigts d'un homme qui est éveillé. En fait, à ton absence, nous avions planifié pour que ta sœur puisse épouser le fils du roi pour qu'elle devienne reine. Non. Parce que tu ne te faisais pas voir. Tout ce que je peux dire est que il y a une autre voie que nous allons suivre pour rendre cette affaire possible. Et pour sceller l'affaire. Mais je vais te dire ceci. Je suis de retour. Je suis de retour pour prendre ce qui me revient de droit. Et je veux que tu fasses comprendre à ta fille cela et aussi qu'elle devrait rabaisser ses épaules. C'est ce qu'elle doit faire. Parce que le roi est de retour. Tout le monde peut me comprendre dans cette situation. Mes mains sont propres, je fais tout ce qu'un parent pouvait faire. On verra. Comment tu peux être attiré par une femme qui peut te faire ça? Non, Tasha. S'il te plaît, arrête ça, ok? Je t'ai déjà dit avant que cette fille n'est pas probablement ce que tu penses qu'elle est. C'est juste qu'elle n'a jamais peut-être vu des êtres humains. Je l'ai vue, ok? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle a probablement fait ceci juste pour se défendre. Attends une minute. Tu es en train de dire. Mais comment elle a fait ça?
Crois-moi, tu vas pas y croire. Tu ne vas pas croire si je te raconte ce qui s'est passé. Juste, faisons comme si c'est... Juste, oublions ça. Bien. Je crois que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que... Ça paraît terrible. Chérie, c'est partout que je te cherche. Oh. Mais qu'est-ce qui t'est... Comment est-ce que tu t'es fait... Vas-tu t'occuper de tes affaires et aller droit au but? Tu fais quoi ici? Eh bien, j'étais juste... S'il te plaît, ne me pas ici. Lève-toi. Pourquoi tu es ici? Je suis venue juste pour comprendre pourquoi est-ce que tu m'évites et pourquoi est-ce que tu as arrêté de m'appeler. D'accord, la raison est très simple, Zara. Je veux être heureux. Je veux avoir la paix. Et cela ne va pas marcher avec toi. Si ça ne te dérange pas, la porte est derrière toi. Voudrais-tu que j'appelle les gardes pour te faire sortir d'ici? Regarde-la. Ramener à son bon sens avant qu'il te cause du tort. Es-tu débile? Non. L'école réclame le frais scolaire de notre fils. Et tu sais combien sont strictes les écoles à l'étranger avec le taille. D'autant plus que notre fils étudie là-bas. Je veux l'argent dans 3 jours. Es-tu en train de me menacer? Es-tu? Ezou, je sais que tu me connais. Peut-être pas autant que tu devrais me connaître. Moi, je ne fais pas de menaces. Je fais des promesses que j'aime toujours tenir. Si tu me déçois, tu vas regretter le jour où tu as touché ce corps. Mais tu devras me dire tout ce qui se passe dans ce palais. Entrée ou sortie. Tant que ça a à voir avec le roi ou le prince, tu me le fais savoir. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, ma princesse. Ma princesse. Princesse en devenir. Chiazam. Comment est-ce que tu connais mon vrai nom?
Je connais des choses sur toi que tu ne croyais pas que je connais. Énormément. Et qui diable es-tu? Obina. Agazier. Ton grand frère. J'en ai eu assez comme ça pour une journée. Non. Agouba. Bonjour mon prince. Comment ça va? Je vais bien. As-tu un programme avec Zara aujourd'hui? Pas du tout. À vrai dire, elle ne m'a rien dit du tout. J'ai besoin que tu puisses t'apprêter. Nous allons marcher. Marcher? Tu m'as entendu la première fois, n'est-ce pas? Oui, mon prince. Zara, si tu peux calmer-toi, ce n'est pas du tout la fin du monde. Comment ça me dit que ce n'est pas la fin du monde alors que c'est mon monde qui s'écroule? C'est ma plus grande menace et mon pire cauchemar qui est de retour. Concernant le vieux, je ne sais même plus s'il réfléchit encore clairement. Et le roi, je ne sais même pas s'il réfléchit encore comme un homme. Mais n'est-ce pas que tu as un autre plan? Qui est ton fils avec le roi? S'ils vont faire ce qu'ils veulent, tu n'as qu'à ramener ton fils au Nigeria. Et tu auras ta position en tant que la femme du roi. Si quelqu'un veut se tenir sur mon chemin, je n'hésiterai pas à détruire cette personne. C'est simple. Et concernant mon père, je vais lui faire savoir que son sang cruel coule aussi dans mes veines. Papa? Papa? Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Papa? Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi! Yeah, Gazier. Mais papa? Ça ira. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, papa. Papa, s'il te plaît. Papa. Thank you.
Ouais, je m'étais amusé la nuit dernière. Le prince en personne. Je vais te rappeler, ok? Le prince en personne. Oh, mon pote. Oh, Meko. C'était comme de la blague, mec, mais tu es vraiment devenu un prince. Allô, mec, arrête un peu. Vas-y doucement. Tu es en train de prendre ces histoires de royauté comme la fin du monde. Très, très sérieux, mec. Mais c'est vrai. Tu seras investi roi dans 5 mois. Josh, je ne vais pas dépenser 15 années de ma vie pour gouverner une frange de gens non civilisés pendant que je pouvais être aux Bahamas en train de profiter de la vie. Mec, j'ai mes propres plans. J'ai mes propres plans. Avec le cambriolage et le chantage. Je vais profiter de ce trône au point que le prochain roi verrait ce trône comme du boudin pour y siéger. Crois-moi. Intéressant. Merci, mec. Fantastique. Fantastique. Ton Ordon sera très content pour ça. Le fait que nous ayons infiltré le palais. On va faire du pognon. Cette famille est super riche. On vient de signer avec la banque centrale. Maintenant tu parles. C'est maintenant que tu as commencé à parler. Le prince en personne. Bye no. Le prince en personne. En personne. Monseigneur, que faisons-nous ici? Ça a l'air d'une maison d'un féticheur. Chut! Arrête ça. Ok? Et n'est pas ce que tu penses. Viens avec moi. Salut! Salut! S'il te plaît, juste calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, ok? Je suis pas venu ici pour te faire du mal. Calme-toi, s'il te plaît. Monseigneur.
Richmond. Richmond. 20 millions de naira. Excuse-moi. 20 millions de naira pour que tu renonces au trône. C'est-à-dire renoncer à la royauté avant le jour du couronnement. Moi, je me fiche que tu veuilles faire du mal à toute leur famille. Tout ce qui m'importe, c'est que tu renonces au trône. D'accord. Ça marche. Ouais, ça marche. Juste comme ça. Je comprends pas. Tu veux dire qu'après tous ces efforts, il a fallu que tu renonces juste pour 20 millions de naira? Tu sais une chose concernant les femmes. Vos pensées peuvent tellement être en avance. J'espère avoir mon chèque bientôt. Aguba. Quelle fille? Une sauvage avec des pouvoirs magiques, ça veut dire quoi? Merci. Je veux plus d'informations. Encore plus. Elvis! Elvis! D'accord. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, c'est bon, je vais en savoir plus. C'est exactement ce que je vais dire, je vais en savoir plus. J'ai besoin des informations, ok? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille de la forêt, Tasha. Il y a quelque chose concernant cette fille. Elle a une sorte de pouvoir que je ne pourrais pas t'expliquer maintenant. Je ne sais de quoi tu parles. Je ne comprends rien. Bien, descendons au premier niveau. On doit parler de quelque chose. Allons-y. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Le sens de ton père pour le pouvoir l'a poussé à payer la mère du vrai héritier du trône pour qu'elle s'en aille avec son enfant, de sorte que sa descendance reste à jamais sur le trône. Quoi? Tu as fait ça? Son envie du pouvoir a détruit la vie de d'autres personnes. Papa, ça c'est vrai? Ah oui, cela est vrai. Père, maintenant je vois la raison de ton insistance. Non, tout commence à me revenir maintenant. Comment as-tu pu? Bah, tu penses que moi, ton fils, voudrais suivre tes pas dans cette famille? Non, non, papa, allez, tu devrais me connaître maintenant. Parce que je ne suis pas intéressé par la couronne, tu peux la garder. Combien tu es décevant. Tu penses que j'ai oublié? Maintenant que le vrai héritier au trône a refait surface, je suis libre de me débarrasser de cette idiote qu'on appelle Sarah. Tu n'es qu'un idiot. Quoi? Tu es un idiot. T'es stupide. T'es un bâtard. Moi? Comment oses-tu appeler mon fils bâtard? Ferme-la. As-tu entendu ça? Juste ferme-la. Comment oses-tu appeler mon fils bâtard? Ferme-la. C'est sorti de toi? Tu es un ingrat.
laisse-moi te dire quelque chose, garçon. Tous ces comportements irrationnels, toutes ces décisions et actions que j'ai faites ou prises dans le passé, je l'ai fait à cause de toi. Et si tu penses que tu vas me foutre la honte ou en quelque sorte discréditer ma famille, laisse-moi te dire, fiston, tu seras lamentablement surpris. Comment est-ce que tu justifies tes actions, papa? Moi, comme ton fils, j'en suis très sincèrement déçu. Sors d'ici! Va-t'en, je dis! J'aurais souhaité n'avoir eu aucun fils. C'est quel chemin? Comme ça, ma princesse. Vas-y, fonce, passe devant. Es-tu sûr que c'est sa maison? J'ai tué son chien et je l'ai jeté quelque part. Elle le cherche depuis le matin. Très bien, on y va. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Depuis qu'on s'est servi de vaudou pour faire disparaître mes parents de la surface de cette terre, je me méfie de toute personne qui a de telles pratiques, oh. Ne me dis pas que tu crois en ces conneries. Faut qu'on découvre ce qu'il en est. Allez, on y va. Plus vite on finit, plus vite on se casse. Aguba, continue d'avancer. Oh, oh merde. Aguba, avance, bon sang. Oh, oh mon Dieu. Mes talons. Non, mes talons, moi. Oh. Aguba, n'avance pas aussi vite! Ah, retournons s'il te plaît! Magne! Allez, viens, Magne! Attendez-moi, s'il vous plaît! Doucement! Est-ce que tu es sûr qu'on va. Qu'on va au bon endroit? Qu'est-ce que tu veux? Je m'attendais à ce que tu te montres respectueux en me saluant convenablement. Bon, de toute façon, je ne sais pas comment tu as été éduqué. Par ailleurs, j'ai une proposition d'affaires pour toi. Eu égard au fait que ton stupide fils veut me tuer. Je me demande quel genre d'affaires veux-tu discuter avec moi? J'irai droit au but. Je veux que tu renonces au trône. Hein, 50 millions. Tiens non, petit garçon, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Sois réaliste. Laisse-moi te dire, personne ne te croira si tu leur dis
que c'est toi l'héritier du trône. Ils ne te croiront pas. Alors, laisse-moi faire ça, mon roi. 15 années ne sont pas aussi longues pour être oubliées. En plus, j'ai un bon père comme mon bras droit pour m'aider à accéder au trône. Alors, va-t'en. Je marche. D'accord. Heureux de faire affaire avec toi. Oh, mon roi, j'attends ton appel. Oui, elle habite ici. Oh! J'ai vu. Alors, que sommes-nous censés faire maintenant, ma princesse? Qu'est-ce que toi, tu es censé faire? Prenez-moi cette merde.
George, que fais-tu chez moi? Je pensais que tu étais quelque part occupé avec tes garçons de la bande. Hey mec, du calme. Tu sembles être pressé. Je ne pense pas. N'est-ce pas? Bien, je suis venu pour qu'on discute concernant les cambriolages au palais royal. Quand vas-tu tout arranger pour l'accès à ce palais? Joshua. Josh. Tu ne me dis pas ce que je dois faire et quand je dois le faire. Quand j'ai besoin de vos services, je vais définitivement vous contacter. Mais maintenant, je dois m'occuper de choses beaucoup plus importantes. Alors, tu peux déjà partir d'ici. Pars.
S'il vous plaît. S'il te plaît. Je t'en prie. Pardon. S'il te plaît. Allô, Tasha. Oh, où es-tu? J'ai besoin de toi. Je viens te chercher maintenant. D'accord, il va rester avec moi dans ma chambre, mais le problème maintenant est de savoir comment allons-nous la cacher sans que personne s'en aperçoive. Je pense que j'ai une idée, allons-y. Vous savez quoi? Le pire dans cette histoire est que j'ai aidé ces garçons à faire ses premiers millions. Et maintenant, il veut qu'on dépende de lui. Je ne m'attendais pas moins de la part d'un homme qui a tiré sur une femme enceinte.
à son premier coup. Rien de moins. Ouais les gars, vous savez quoi faire. Personne ne touche au Tout-Puissant et s'en va aussi. Pas du tout. Pas du tout. Personne. Ne vous en faites pas. Je suis en train de tracer le plan. Ah ah, quel plan? Quel plan, mon cher, quel plan? Libère-moi, que j'aille attraper cet homme, vivant ou mort, s'il te plaît, permets-le-moi. Donne-leur cette mission. À eux deux, ça ira. Oui, mais vraiment, on est à la rate. Obéti, t'obéti. Bah, j'étais. Oui, mais surtout ça, là, bah, j'étais. Salut. Salut, comment tu vas? Salut ma beauté, comment tu vas? Comment? Et pourquoi cela te concerne? Oh, ne sois pas si furieuse contre moi. J'essaie juste d'être un gentleman. Où veux-tu que je te dépose partout où tu veux aller? Je t'attendrai et te ramènerai. Ça veut dire que tu vas m'accompagner partout où je veux? C'est exactement ce que je voulais. En fait, je ferai tout ça pour toi. Alors, viens. Ok. Viens, monte. Tu es en sécurité. Ça va aller. Obinadi, Obinaya, le véritable fils de son père, le meilleur de mères. Le plus légitime. depuis que tu es rentré dans ce royaume, je me sens l'homme le plus chanceux du monde. Je suis impatient de te voir devenir roi parce que je suis certain que tu dirigeras ce royaume. Vieil homme, est-ce que je ressemble à Zara, ta fille que tu fais manipuler quand tu veux? Je ne comprends pas. Juste entends ce que je vais te dire. Entends bien ce que je veux te dire. Quand je deviens roi, quand je vais accéder au trône, il y a une chose que tu dois savoir. Une chose que tu dois savoir. Que tu sois mon père ou pas, rien ne va changer. Aucune chose ne va changer. D'accord? Tu vas demeurer comme tu es, pas plus ni moins. Tu ferais mieux de te réveiller de ton rêve. Parce que tu ne me connais pas. Et tu ne voudrais pas me connaître. Crois-moi, tu ne voudrais pas le faire. En te voyant, tu es fatigué. Tu travailles? Où est-ce que tu travailles? Tu vis dans ce royaume, mais tu ne connais pas les gens qui s'habillent avec cet uniforme. Oh, pardonne mon ignorance, ma chère. Je ne vis pas tellement dans ce royaume. Je suis venu il y a 2 jours. Oh, heureusement. Pourquoi tu parles ainsi?
Juste parce que j'étais méfiante à ton égard, j'ai pensé que tu étais de ce royaume. Bien, je ne le suis pas. Alors, peux-tu de manière convenable me parler de ce qui te concerne? Oui, je suis l'une des servantes du palais. Waouh! Ouais, c'était bon. Moi, je pense que tu passes des temps merveilleux. Bien. Au contraire, je ne vois que le pire qui se passe dans ce palais. Crois-moi, un livre n'est pas autant intéressant que sa couverture le montre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe au palais qui est tellement si horrible à ce point? Donc de grâce, papa, arrête! Papa, Ichigo, de grâce, arrête de me dire ça! Ichigo! Ichigo, peux-tu t'arrêter? N'ose plus me parler de cette façon! Les enfants de nos jours, vous n'avez plus aucun respect pour vos parents! Maintenant, tu sais que je suis ta fille. Avant que ton fils tout-puissant revienne, tu me soutenais totalement. Tu supportais chacune de mes moindres actions. Mais à présent, tu n'as rien à faire. Parce que tu pressens que ton fils est parti pour gagner ce jeu. Mais je vais te dire un truc, papa. Je ressens déjà ce que c'est que d'être reine. Et quand je le deviendrai, je ne veux pas te voir à mon couronnement. Hey, est-ce que tout le monde a mangé les herbes de la folie dans cette maison? Comment tout le monde se tourne contre moi au même moment? Il y a un ça ne va pas. Elvis. Papa. Tu t'es engagé pour te marier avec Zara il y a 4 ans maintenant, n'est-ce pas? Tu ne penses pas qu'il serait romantique et respectueux pour toi de, tu vois, lui offrir une fête d'engagement? Oh papa, s'il te plaît, juste oublie ça, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi on en parle maintenant. Je vais dire que la dernière fois que je vérifiais, elle n'était même pas en train de porter cet anneau. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Elvis, pourquoi tu choisis d'être une punition pour moi? Oui, parce que toi aussi, tu as également choisi de ruiner ma vie, papa. C'est toujours toi qui décides là où je dois être à un moment donné. C'est toujours toi qui décides ce que je dois devenir. Tu décides de tout dans ma vie. Maintenant, laisse-moi choisir qui je dois épouser. Je t'en prie, père. S'il te plaît, sauve ton respect. Je vais juste être libre. Laisse aller. Juste laisse-moi vivre ma vie, même pour une seule fois. Peux-tu faire ça pour moi, papa? Tu vois cette fille? Tu vois cette fille? Bien. On en parlera un autre jour. Hors de ma vue. Hors de ma vue! Comme tu le désires, père. Thank you.
Josh, c'est quoi cette affaire importante qui ne pouvait pas attendre? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sais-tu que je t'aurais buté? Je t'aurais même détruit juste en un claquement. Josh, j'ai tué ma propre mère avec mes deux mains. Et elle est morte horriblement. Suppliant, appela mon nom. Obina. Obina, s'il te plaît. Obina, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Une pitié qu'elle n'a pas eue. Alors, il faudrait être un idiot pour ne pas comprendre que je vais tuer. Juste pour rien. Pour aucune raison. Alors la prochaine fois que tu penses me traquer, je veux que tu te souviennes toujours de ça. N'ose jamais. N'ose plus jamais appeler ma ligne. C'est moi qui dois t'appeler. Parce que je t'ai tué. Juste parce que tu m'as appelé. Ferme tes yeux. Quoi? Juste ferme tes yeux. Ok. Promets que tu ne vas pas ouvrir tes yeux. Tasha, j'ai pro... Ferme. Je promets. Ferme. D'accord. Okay. Bien, tu as ma parole. Bien. Tu sais, si tu ouvres tes yeux, tu vas gâcher la surprise. N'est-ce pas? Alors n'ouvre pas tes yeux. D'accord. Bien. Tada! Quoi? Juste regarde. Je sais, elle est magnifique. Merci pour tout. De rien, chérie. Elle parle? Allô, Josh. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai dit que je vais t'appeler quand j'ai besoin de toi. Hé, écoute. Je t'ai appelé pour du business qui vaut des millions de naira. Nous devons en parler face à face. Car ce n'est pas le genre de conversation à avoir au téléphone. Ok. Je te rappelle dans un instant, ok? Je vais t'appeler pour te dire les lieux. Ok, bien. J'attends. Et? Le poisson danse, nous ne pouvons que le suivre. Ah mais c'est ça, non? Un poisson qui danse, qu'est-ce que nous on va faire? On va le suivre, non? C'est ça l'esprit. Les gars, vous avez entendu, non? Confirmé. Gens de basse classe. Vous cherchez toujours un moyen pour vous accrocher aux gens de haute classe. Pas cette fois. Qu'ils viennent.
S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. L'étau se resserre autour de moi. Je dois agir le plus vite que possible. Cette histoire prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Va falloir que je mêle mon fils à ça. Tu devais le faire depuis tout ce temps. Je crois que si tu l'avais fait depuis longtemps, maintenant, tu as déjà trouvé ta meilleure vie que tu cherches depuis tout ce temps. Mais j'étais naïve en ce temps-là, Chantal. Je devais placer la dignité devant le succès. Mais d'après ce que je vois, ça ne paye pas du tout. Maintenant, je me concentre sur le succès. Et au diable, la dignité. Allô? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir le ticket pour faire d'une pierre deux coups. Puis ces jours-ci? Pourquoi tu ne lui parles pas toi-même? N'est-ce pas ton homme? Ou as-tu soudainement perdu ta vertu de femme? Ezego, ne m'insulte pas! Elvis, c'est quoi? Qui est-ce? Et dis-moi, tu penses aller où? Je ne suis pas vraiment censé te répondre, mais si tu veux le savoir, cette belle et charmante demoiselle est la même que toi et Aguba. Vous êtes complotés pour brûler sa hutte. Tu sais que des fois quand je pense à toi, je me pose vraiment de questions. De quoi es-tu faite? Quel genre d'être humain es-tu? Tu es tellement méchante. Je n'ai rien à faire avec toi. Parce que c'est fini entre nous deux. Après toi, ma chérie. Tu vas rester assis là et le regarder me parler comme ça? Je croyais que tu étais Zara. Zara. Salut, petite sœur. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me doubler? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux prendre mon argent et ne pas respecter le contrat? Tu étais censé te tenir à l'écart de ce trône. Mais j'entends constamment parler de toi à travers toute la contrée. Quand je réalise qui je suis dans ces royaumes. Pour être honnête avec toi, je n'étais jamais intéressé par la royauté. Ce que je voulais, c'était ma propre part d'argent. Et zoom, c'est venu. C'est alors que je commençais à penser autrement. Quand tout le monde est en train de se battre pour la royauté. Si pas pour une chose. Je voudrais dire que ces bâtards qu'on appelle Elvis, devra s'agenouiller devant moi comme son roi. Et pour toi, j'ai pas de temps pour toi. Tu vois, le gérant de mon compte te verra demain et te remboursera ton argent. Si tu étais intelligent,
Tu prendrais tes jambes à ton cou pour courir le plus loin possible parce que mon venin n'a pas d'antidote. Je mange les serpents. Et je les mâche. Je les mâche. Quel que soit le venin qu'ils ont. Hein? Igwe, tu m'as appelé à la hâte. J'espère qu'il n'y a rien de mal. Tout va mal. Agazé, tout va mal. Car tes deux enfants veulent détruire ma famille et détruire ce royaume. Comment? Tu me demandes comment? Tu as payé la maman de Obina sans mon consentement. Maintenant, Obina est de retour. Tu m'as aussi promis que ton fils va épouser ma fille. Mais je ne vois pas cela se réaliser. Alors, qui est à blâmer dans cette affaire? Ezugo, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sauve ton respect. Ta croix, et la mienne est la mienne. Tout ce que tu as à faire, c'est de la porter de manière à ce que ça ne te fasse pas tomber. C'est tout. Agazé, tu m'appelles par mon nom. Est-ce que ton nom a changé? Dis-moi, ton nom a changé? Lorsqu'une viande devient dure à manger avec les dents, on doit la manger avec un couteau. Agazier m'a appelé par mon nom. Non. Les choses vont vraiment mal. Ah, ok. Elvis, qui est cette fille que je vis dans ta chambre? Maman, c'est je veux dire, c'est la fille de la forêt d'Idou. Mais cette fille n'est pas comme une personne qui habite la forêt. Ça, c'est parce qu'elle a commencé à habiter avec nous, ça fait déjà 3 semaines. Quoi? 3 semaines? Vous avez gardé une personne dans cette maison sans pour autant informer quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Ah. Bon roi, la dernière fois que nous avons tenu une réunion comme ça, on se réjouissait par rapport aux fiançailles de votre fils et la fille de Noah Gazi. Et depuis ce jour-là, il n'y a aucune évolution sur ces dossiers. Et il ne reste que 3 mois pour l'intronisation du nouveau roi qui est votre fils. Voilà notre question. Est-ce que notre prochain roi va accéder au trône sans une reine à ses côtés? Et qui dit que le prochain roi doit être Elvis Ezugo? Qui es-tu pour interrompre cette réunion? Qui es-tu? Clairement, tu n'es pas de ce royaume. Et tu ne connais pas nos traditions, hein? Demande à mon père qui je suis. Obina, je pensais avoir un arrangement avec toi. Je suis désolé, votre majesté. Je ne peux pas vendre mon héritage à cause de 50 millions de naira. Juste comme tu as acheté la liberté de ma mère, juste pour 4 millions de naira. Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ma reine, tu n'es rien d'autre qu'une femme. Et je ne suis pas censé répondre à cette question, mais je vais le faire. Différemment des autres royaumes, ce royaume a une spectaculaire tradition de changer le roi après chaque 15 années.
après 15 ans par le fils du plus jeune Onowu. Et il arrive que je sois le fils du plus vieux Onowu encore en vie. Votre Majesté, dans ces villages, Onowu veut dire simplement le père d'un potentiel roi. Ce que veut dire moi, le fils du plus vieux Onowu. Cette couronne, je vais la porter. Je suis le vrai fils de mon père. Très bonne journée. Oh non, Agazé. Hé ? Zara, où vas-tu avec la valise ? À vrai dire, je suis venue m'installer dans ma vraie maison, comme ça mon fils pourra vivre avec son papa. De quoi parles-tu? Zara, Zara n'ose pas, n'ose pas. De quoi est-ce qu'elle parle? Eh bien, ton cher époux, roi du royaume Agaba, s'est montré dans le passé très virulent. Veux-tu la fermer? Ferme-la et quitte ma présence avant que j'ordonne à mes gardes de te mettre dehors. Et je le ferai. Je le ferai. Mais pourquoi ferais-tu une telle chose à la mère de ton fils? Fils? Ouais, fils. Le roi et moi avons un fils ensemble et... Donc je suis en plein droit de venir m'installer dans cette maison pour que mon fils puisse vivre avec son père. Maintenant, excusez-moi. Parce que j'ai beaucoup de sacs à sortir de ma voiture pour libérer le parking. Je serai dans ma chambre. Caramba, qu'est-ce que le tout-puissant roi est venu faire dans mon sanctuaire aujourd'hui, après autant d'années? Okaram, je sais que je t'ai offensé. Je sais aussi que je t'ai poussé à faire beaucoup de choses malveillantes. Des choses que tu n'étais pas censé faire. Je sais. J'étais poussé à offrir des sacrifices pour moi que je n'ai pas du tout apprécié. Mais s'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu d'avoir pitié sur moi et sur mon ménage entier. Car mon royaume se détériore et je suis en train d'en perdre les contrôles. S'il te plaît, ne laisse pas les dieux punir le royaume entier à cause de mes péchés. Le palais brûle
À ce point? Okanamo, ce n'est pas ce que je suis venu discuter ici. Il serait mieux que tu viennes voir les choses de toi-même. Je veux que tu viennes au palais et que tu arranges les choses. Car c'est la toute première fois de ma vie que je cherche la justice. 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 D'enterrement. Vous savez, je suis pas du genre à donner mon avis sans qu'on me le demande. Mais si vous voulez mon avis, je pense que cet arrangement est plutôt équitable. Mon fils vient bientôt à la maison et j'espère que vous ne comptez pas rester aussi froid avec vos têtes d'enterrement, Alan. Ne fais pas ça, ok? Assieds-toi. Assieds-toi. Calme-toi. Ok? Elle n'est juste qu'une épave. Une épave? Une épave que tu désirais? Ouvre pour moi cette porte! Désolée. Je sens le pouvoir. Je sens la présence de ce pouvoir légendaire qui a été transféré de génération en génération. Ce même pouvoir qui a été ici il y a de cela 15 ans est de retour. Ezugo, je veux voir toute ta famille maintenant. Quelqu'un manque. Il manque une personne. Okanamo, voici mon ménage dans son entièreté. Quelqu'un n'est pas ici. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est donc l'entièreté de mon ménage. Ezugo, j'insiste. Quelqu'un manque. Okanamo, les gens que tu vois ici, oh, à l'exception de ma femme, la reine, qui a voyagé. Non. Barabara, Oruchi, Agoukou Agougou, Mpoto Mpoto, les dieux de notre terre, devrons-nous souffrir pour le péché qui a été commis il y a cela 15 ans? S'il vous plaît, montrez-moi. 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 Mpoto Mpoto, Oruchi, Barakwara, montrez-moi. Montrez-moi.
Potom poto. Kwarakara. Je suis là. Parle. Je suis Agazier, descendant du Kenga, banni 15 ans plus tôt avec mon père lorsque j'avais 12 ans. Igwe et Okaramo avaient jugé bon de bannir ma famille. Ma mère est morte et ils ont tué mon unique frère. Selon nos traditions, le pouvoir doit être transféré après chaque 15 ans. Et moi, j'ai dirigé pendant 15 ans. Le moment est venu pour que le pouvoir soit transféré dans une autre famille. Traditionnellement, Ikenga a été le plus jeune Onowu parmi vous tous. Son fils sera couronné comme roi. Ikenga, informe ton fils que dans les 15 prochains jours, il sera couronné comme prochain roi de ce grand royaume. Bonne arrivée, papa. Merci, ma fille. Papa, tu as l'air très excité et très heureux. Mon fils, les dieux nous ont finalement bénis à travers toi. Igwe Ochudo t'a choisi comme le futur roi. Dans 15 jours, tu seras couronné. Donc, papa, nous allons être de la royauté. Papa, ça veut dire que je vais devenir une princesse? Oui, ma fille. Remercions les dieux. Papa Olingosani, Olingosalani, hein? Que tu veux donc céder le trône, la couronne à une autre famille, quand tu as un fils comme moi, qui peut te succéder? Oninangobo, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cela a toujours été notre tradition. Et je ne vais pas faire l'exception. Pour éviter la colère des dieux. De quoi es-tu en train de parler? La colère des dieux, je m'en moque. Je m'en moque. Je ne suis pas ici pour apprendre la tradition et la culture, papa. Non, je refuse. Mais je suis venu t'informer. Que tu le veilles ou non, peu importe les coups, je serai roi. Je m'asseyerai ici. Quel genre de stupide culture et tradition? Je m'en moque. Je vais te succéder au trône. Quel genre de tradition comme ça? Écoute. Je dois être roi. Je dois m'asseoir sur les trônes. Quel genre de stupide tradition? Ça veut dire quoi? Je dois être roi. Oh. Ezugo. Arrêtez, allez, sortez d'ici. Allez-vous-en. Allez-vous-en, faites du bruit inutilement. Sortez d'ici. Papa, qu'est-ce qui se passe ici au juste? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Attends-y, dégarpille. Dégarpille, imbécile. Allez, sortez. Papa? Papa, osez battre vraiment. Hein? Je te dis, je ne sais pas, il y a un, ça ne va pas. Hein, papa, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi tout ça? Regarde, si tu rends les changements paisibles impossibles, tu rends les changements chaotiques inévitables. Le roi est mort et le trône est vide. Mais je ne veux pas que le fils d'Ikenga devienne notre roi.
tout fiable. Ça n'arrivera pas. Je remercie Dieu du fait que j'ai quelqu'un à mes côtés. Mais la question est, qu'allons-nous faire? Parce que je ne peux pas croiser mes bras et laisser quelqu'un me ravir ce qui me revient de droit. Je suis le vrai héritier de ce trône. Et je dois y accéder. Je dois. Bien. Mais la question que je me pose est, qu'allons-nous faire? Eh bien, tu vois, ce qui apparaît dans l'âge viril d'un homme, ce n'est rien d'autre que du sang. Nous pouvons le tourner et le diriger en ta faveur, mais en une seule condition. Après ton règne, c'est mon fils qui sera couronné. Ah, juste ça? C'est ça. Et donc si c'est ce que tu veux, alors je suis d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Après mon règne, comme roi, je laisserai le trône à ton fils. Oh bien. Alors, comment allons-nous nous y prendre? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Bien. Tu sais, il y a de ces promesses que tu rends fauconnier. Et là, elle va tendre ses jambes jusqu'aux limites élastiques. Okaramo est mon ami. Il est également faiseur de roi. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de lui proposer une offre qui va corrompre ses pensées et sa conscience pour qu'il réunisse toutes les conditions. Vam, vam, vam. C'est ça. Cet argent est beaucoup. Agazi, il n'a faut quoi? Aisément. Il y en a encore plus. D'où cet argent vient? Si seulement tu fais de moi le prochain roi de ce royaume. Ezigo, considère que c'est déjà fait. Ikenga, les dieux ne mentent jamais. Désormais, toi et toute ta famille êtes bannis de ce royaume. Va, que le fils du défunt roi Otudo soit couronné le futur roi de ce royaume et que la paix règne dans ce royaume. Apparemment, tu es une abomination pour ce royaume. Okaramo, vous avez comploté avec Agazie et Ezugo de tuer un homme innocent et d'envoyer sa famille en exil. Okaramo, tu as assez abusé de ton pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons t'ôter ce pouvoir et le donner à quelqu'un d'autre qui a besoin de la protection. Et cette personne ne va pas l'utiliser pour le mal.
Okaramo, qu'est-ce qu'il y a? Igwe. Pourquoi tu paniques comme si quelqu'un en avait après toi? Qu'est-ce qu'il y a? Igwe, les dieux m'ont pris tous les pouvoirs. Quoi? Ils m'ont juste laissé avec la capacité de voir l'avenir. Ah, oh, les dieux sont sages. Quoi? Dieu merci que je sois roi. Ezugo. Ah, Okaramo, s'il te plaît, va-t'en, je n'ai plus besoin de ton pouvoir. Ezugo. Ok? Va porter ta croix et laisse-moi porter la mienne, ok? Cherche refuge quelque part d'autre, pas dans mon palais, va-t'en! Va chercher refuge quelque part d'autre. Va-t'en! Les dieux sont tellement sages. Et surtout que je suis déjà roi. Ah! Papa, toi et ta cohorte, Okaramo, Zara et son traître de père, devraient quitter ce royaume et ne plus jamais revenir. Et si vous ne le faites pas, je ne vais pas hésiter de dire à tous les royaumes quelles atrocités vous avez commises. Je vais le faire, père. Comment pouvais-tu? Tu devras partir parce que tu ne nous mérites pas. Comme ta famille. Tu dois partir, père. Tu partiras.
Dégage d'ici et vite. Il n'y a rien sur cette terre qui peut me faire quitter le royaume de mes ancêtres. Attends, je devine. Parce que tu as été complice du roi Ezugo, précisément dans le meurtre de l'héritier du trône. Voilà pourquoi on doit quitter ce royaume, et vite. Comment l'ont-ils découvert? Hein? Ok. Ok, reste là. Reste là à réfléchir comment ils l'ont découvert. Moi, je vais faire mes affaires et je me tire. Ah! Quoi? Tu veux dire qu'on t'a chassé du palais? Je vais m'assurer qu'il me le paye. S'il pense que je vais juste rester assise et ne rien faire contre ça, eh bien, ils n'ont encore rien vu. Oh, bon sang, j'ai envie de... Je vais exterminer toute cette famille. C'est de cette manière que les choses devront prendre fin. Oui, je soutiens ta décision. Ils ne peuvent pas t'humilier de la sorte, ma chérie, pas du tout. En fait, je suggère que tu appelles Josh. Il est bon pour finir ce genre de business. Au fait, je n'avais même pas pensé à lui. Ah, toi, tu es la meilleure amie du monde. Je sais. Chantal. La fin va être sanglante. Et j'insiste. Je ne veux pas qu'un seul ou deux membres de la famille. Je veux que chaque membre de cette famille soit mort. Qu'il disparaisse de la surface de la terre. Ce n'est pas du tout un problème. Josh, rien ne doit aller de travers avec cette mission. Koban est l'oroté. Pardon? Ne t'inquiète pas. J'aime quand les gens parlent. Oui, c'est bien. Mais après, voyons la couleur de l'argent. L'argent, ouais. C'est ça même. Tout le monde peut mourir, on peut tuer n'importe qui. Tout dépend de l'argent. Oui, l'argent, bien sûr. Il y a 6 millions de naira. Ouais. Vous avez intérêt à me faire plaisir. Pour tout celui qui voudra ta mort, il aura comme sort, je déclare, ma fille. La mort, je déclare. La confusion, je déclare. Les ancêtres seront là pour te protéger. Je t'envoie les gardes. Je t'envoie les gardes. Je t'envoie les gardes. Je t'envoie les gardes. À genoux. Mets-toi à genoux vite. Ça veut dire quoi ça? Je demande de te mettre à genoux et tu veux savoir si ça veut dire quoi ça? Allez, mets-toi à genoux avant de me parler. Pourquoi es-tu en train de faire ça? Zara m'a demandé de te saluer. Donc c'est comme ça qu'elle veut jouer les jeux. Et toi, idiot, tu connais Zara. Tu n'as pas à me demander ça. Gars, est-ce qu'on peut parler? Je n'ai rien à parler avec. Adieu. Thank you.
péché, je sais ce que tu es en train de faire. Pardon. Épargne-moi. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Je suis profondément désolé, ça. S'il te plaît, pardon. Il n'y a rien de personnel. Ce n'est rien que du business. Je t'en prie. Pitié. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai tout ce que je possède. Pitié. Non. Josh, ça sera. Le trône est vide. Alors, que faire? Je ne suis pas d'accord avec toi. Notre roi est ici avec nous. Il est temps de faire ce qui est juste. Cette tradition de transférer les pouvoirs d'une famille à une autre après 15 ans nous a plus causé du tort que du bien. N'ai-je pas raison, les anciens? Tu as raison. Sa Majesté, je sais que vous êtes nullement intéressé par le trône. Mais nous voulons la justice. S'il vous plaît, acceptez le trône et sauvez votre peuple contre le mal. Nous, les Onou, préparons votre couronnement dans 2 semaines. Mais il est triste que vous n'ayez pas une fiancée. Et qui a dit que je n'avais pas une fiancée? J'en ai une. Elle est juste à côté de moi maintenant.